Carnaval de Genève qui, je le rappelle, se déroule une semaine avant Pâques. Avancez, 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 avancez. C'est bon. Alors, on est à la 9e. Oui, 9e position. Eh bien, ça ne s'explique pas, les 9e position, l'équipe numéro 9, l'équipe de Bouzeval. Voilà, quand même pas les si loin. Dixième position. En dixième position, en numéro 15, le numéro 15, l'équipe de... Oui, l'équipe de... En quatrième position, l'équipe numéro 10, l'équipe Red Bull. En cinquième position, l'équipe numéro 7, l'équipe de jeux intervillage de Bouzeval. L'équipe de Bouzeval est en rentre. Donc l'équipe de Glabel, équipe numéro 7. Position suivante, Lovedon Villefol, en numéro 4. On est pas combien là, 7. L'équipe numéro 7. Donc ce sera le numéro 2, le pistac numéro 2, les mille et une nuits, avec ses nombreux bonnets et ses chameaux. L'équipe numéro, en numéro 8, on aura l'équipe numéro 12, la société Gilles de Genappe. L'équipe 9, ce sera le pistac numéro 9, l'équipe de Bouzeval. En numéro 10, l'équipe 15, l'équipe de Wé, les jeunes de village de Wé. 11e position, l'équipe numéro 3, les jeunes de village de Béziti. Merci également aux sponsors, certains d'entre vous en ont, on y affiche sur les cuistex. On a les conteneurs Genapois, on a le garage Auberguémois, nous avons Francis Charrier, les toitures Simonard. Nous avons également Christophe Payet avec Créa Group. Et nous en avons un dernier qui m'échappe. On a un dernier, conteneur Genapois. Je ne sais plus. Excellent, tout à fait, qui nous sponsorise. Et les entreprises en construction, Emmanuel Théodoro. Effectivement, je l'avais oublié. Voilà, quelques rappels avant de lancer le départ. Donc c'est une course, bien entendu, mais une course, une compétition sportive. On vous demande de respecter bien entendu les règlements. Quelque chose que cette année on sera extrêmement strict, c'est vous devez absolument rentrer dans votre stand pour faire un échange. Je vais appeler, est-il encore là, monsieur Echevin des Fêtes, monsieur Hector Tubiron, est-il là? Non, il est parti, voilà. Je remercie dans les autorités communales, bien entendu, nous avons le stand de l'APEC qui nous a rejoint ici, l'association des commerçants, emmenée par le conseiller communal Renaud Valpetegem. Je crois que c'est tout ce que nous avons aujourd'hui en conseillers communaux. Je n'ai oublié personne, j'espère. Nous avons le conseiller provincial, exactement, Jean-Marc Storé, qui est présent. Je vais les appeler tous les deux pour lancer le départ de la course. Oui. Il faut rentrer dans le stand pour faire un échange, c'est très important. Nous avons 2 minutes de retard sur le planning, donc nous terminerons à 19h02. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous démarrons les 6h de Pistac 2013. Bon départ à vous tous, une bonne course, bonne endurance! Voyons arriver le premier pistax, les deux premiers, le pistax numéro 14.
approximativement, ils sont à 2 minutes 30 pour faire un tour. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Vamos! Thank you.
Je vois l'équipe numéro, enfin, le numéro, qui vient de passer, entraînée par le Congolais de la Croix. Congolais de la Croix, merci au sponsor de cette activité. On nous remercie encore. Cadeau du conseiller provincial Jean-Marc Sauré.
Il vous offre, attention, tenez-vous bien, une mitraillette chez Monsieur Madame Patate. Merci notre conseiller provincial. Alors on attend, voilà. Le prochain maintenant qui passe devant la sandwicherie au Petit Creux recevra ce superbe cadeau de notre conseiller provincial Jean Serré. Une mitraillette chez Monsieur et Madame Patate. Friterie, alors voilà, c'est l'équipe numéro 7. Une mitraillette chez Monsieur Madame Patate, friterie du Cap-Bras à Béziti. Je peux pas faire un enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je suis pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Nous sommes entrés dans les deux dernières minutes de course, les deux dernières, voilà. Nous étions formidables. Ça sent la fin, nous sommes aux deux dernières minutes de course. Formidable, tu étais formidable, tu étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. Si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous sommes dans la dernière minute. Formidable, tu étais formidable, tu étais formidable. Nous étions formidables. Hé, petit, oh pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vit. Voilà, je propose de faire le décompte. Nous sommes à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà la fin de 6h du set de Genap. Vous devez passer devant la ligne. Passez devant la ligne des juges pour marquer votre dernier tour. Voilà la fin des 6h de pistache. N'oubliez pas de passer devant les juges pour comptabiliser votre dernier tour. Il est vraiment phénoménal. Vous pouvez vous arrêter au niveau de la sono. Très bien tout le monde, tous les pistaches se sont passés. Tous les pistaches se sont passés, bien entendu, le 3 le tour ne compte plus, le 3 le tour ne compte plus, le 9 non plus.
traversait tous les jours le désert. Le sable chaud, le soleil, quelle misère. J'aurais donné ma vie pour boire une bière. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de courant d'air. De soif malade pendait jusque par terre. Quand on avait le cafard, fallait le faire. On chantait la chanson des légionnaires. Un jour je suis tombé en panne de super. Il n'y avait plus d'essence dans l'onde en ma mer. Soudain devant moi j'ai vu un berbère. C'était Dali, papa la bonne affaire. Il m'a dit j'ai des montres dans ta chair. Des babouches, des cravates, de l'huile solaire. Un collier en plastique pour ta bouquet. Il y avait de tout sauf de